Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. On débarque cette édition par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est recueilli devant la dépouille mortelle de Madame Adolphine Galula ce vendredi, veuve du feu général Léonard Moulumba, décédé le 9 septembre dernier à Kinshasa. C'était à l'espace funéraire de la mort de l'hôpital du cinquantenaire. La cité de l'Union africaine pour la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la société ARIS. Elle vient d'être conclue ce vendredi 16 septembre 2022 en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Lembo. On fait le point avec Rachel Foutou. Concrétiser la vision du chef de l'État sur l'économie et le développement de la République démocratique du Congo à son premier quinquennat, tels les soucis majeurs du gouvernement Samalou Kondé. Après un long processus du partenariat entre la RDC et la société ERAIS des Émirats Arabes Unis, dont le siège se trouve à Dubaï, le gouvernement congolais vient finalement de signer un accord cadre avec cette entreprise en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce vendredi 16 septembre à la Cité de l'Union africaine. Cette signature d'accord consiste pour la société ERAIS de construire une zone économique spéciale dans la commune de Nselé, baptisée au nom de Kin Malebo. Cette dernière va diversifier l'économie congolaise, garantir la paix sociale, mais aussi elle est porteuse d'environ 15 à 20 000 emplois en RDC. Et cet accord vient d'être conclu avec un partenaire fiable, crédible, qui a fait ses preuves dans les autres pays d'Afrique où nous étions appelés à visiter personnellement. Le gouvernement congolais a mis à la disposition du partenaire un grand terrain de travail. Ça va se faire à Kinshasa, dans le Katanga, dans la Grande Orientale et au Grand Équateur, dans d'autres provinces et dans plusieurs domaines. Il y a d'abord la transformation locale de nos ressources naturelles, notamment l'industrie du bois, il y a l'industrie minière et plusieurs autres diversifications de l'économie, comme je vous ai dit, y compris l'économie circulaire s'agissant de la valorisation des déchets. Pour la partie congolaise, l'accord avec la société ERAIS, représentée par son PDG Gagan Gupta, a été signé par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba. En RDC, la société ERAIS aura pour mission d'industrialiser l'exploitation de bois, la verrerie, l'exploitation minière et développer le secteur import-export. Au Congo, nous sommes focalisés pour les deux choses. Première chose, comme Madame VPM dit, pour développer l'industrie du bois. Deuxième côté, comme Congo importe beaucoup de choses, pour mettre l'industrie, pour vraiment remplacer l'import. Les choses qui, dans la première phase, c'est 500 hectares, c'est un partenariat 60-40 états entre nous. Notre investissement, c'est à peu près 200 millions de dollars. Après, les usines qui installent dans la zone industrielle, nous estimons c'est à peu près 650 millions de dollars d'investissement. Comme ça, ensemble, c'est 850 millions de dollars d'investissement qui arrivent dans la zone. 200 millions de dollars entre ITA, ARAIS, 650 que les investisseurs installent dans la zone. Avec pour objectif premier de faire développer la filière bois en RDC, la société ERAIS est déjà dans 6 pays de l'Afrique, à savoir le Gabon, le Bénin, le Togo, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. On en vient maintenant au recueillement du président de la République devant la dépouille mortelle de Madame Adolphine Galula, veuve du feu général Léonard Moulumba, décédée le 9 septembre dernier à Kinshasa. C'était à l'espace funéraire de la mort de l'hôpital du cinquantenaire. Dans ce cercueil reposera éternellement l'âme de maman Adolphine Galula Moulumba, veuve du tout premier ministre du gouvernement Mobutu de novembre 1965 à octobre 1966, feu le général Léonard Moulumba Nyoni, dans lequel M. Étienne Tshisekedi, le père biologique du président Félix Tshisekedi, était ministre de l'Intérieur.
Exposé au parvis de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a rendu hommage ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l'État s'est incliné et déposé sa couronne des fleurs et a adressé quelques mots de réconfort aux membres de la famille éplorée avant de quitter les lieux. Proche de la famille présidentielle, Madame Adolphine Galula a servi le pays aux côtés de son défunt mari qui fut également doyen du corps diplomatique au Japon et ambassadeur plénipotentiaire du Zaïre en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Brésil avant d'être décoré chancelier des ordres nationaux et de l'ordre des compagnons de la Révolution. Femme exceptionnelle, vertueuse et courageuse, mère gentille, grand-mère accueillante, grande dame serviable, chrétienne fervente catholique, voilà en un mot les témoignages faits par les proches de la défunte. Décédée depuis le 9 septembre 2022 à Kinshasa, Adolphine Mwamulamba, morte à l'âge de 80 ans, sera mise en terre au cimetière entre terre et ciel. Une délégation de l'Union européenne et du Haut Commissariat pour les réfugiés a été reçue par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale au menu la situation des déplacés et des familles d'accueil dans l'est du pays. La situation des déplacés internes préoccupe au plus haut point la délégation conjointe Union européenne au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est l'essence de cette audience que Modeste Mutinga Mutuchai, ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, a accordé à la dite délégation. Les échanges ont porté sur comment le HCR et l'Union européenne pourraient apporter un soutien à l'amélioration de l'environnement de protection, à la recherche des solutions durables pour les personnes déplacées de force et les réfugiés, ainsi que les communautés d'accueil. Il s'agit en sus pour cette mission de présenter les comptes rendus de la mission et les pistes de solutions identifiées conjointement. Donc nous avons été reçus ce matin pour parler un peu de comment on pourrait trouver des solutions durables ensemble au problème de déplacement forcé en RDC. Donc nous allons tout à l'heure, le ministre nous a reçus et a donné quelques pistes et a instruit ses cadres à pouvoir travailler avec nous. Et là maintenant, de là, nous allons pour pouvoir aller nous plancher un peu sur les différentes composantes ou les piliers et des propositions qui pourraient être faites de part et d'autre. Et nous nous sommes d'ailleurs réjouis quand son Excellence nous disait d'ailleurs même qu'aujourd'hui, au Conseil des ministres, ce volet très important fera l'objet d'une analyse par le membre du gouvernement. Le ministre Mutinga Mutuchai a insisté sur la prise en compte de l'urgence humanitaire des déplacés internes ainsi que le développement des communautés d'accueil. L'atelier de substitution du rapport institutionnel et organisationnel du domaine foncier, ces travaux ont été lancés et clôturés par le secrétaire général aux affaires foncières. On en parle avec Cédric Kenina. Des assises qui ont permis de faire un diagnostic profond de l'administration foncière pour en dégager les faiblesses et pesanteurs liées au télescopage parfois avec d'autres ministères et ingérence d'autres autorités politico-administratives dans la gestion foncière. L'atelier des restitutions du rapport des diagnostics institutionnels et organisationnels du secrétariat général des affaires foncières et validation des grandes lignes du plan de renforcement des capacités de l'administration foncière dans les processus de réforme a eu le mérite d'analyser toutes ces questions. Pendant deux jours, nous avons fait une sélection d'experts. C'était pour essayer de recevoir d'abord le rapport sur le diagnostic que certains experts ont fait sur l'administration foncière, de manière générale. Et bien sûr, ce diagnostic est venu aussi apporter des suggestions d'amélioration du secteur. Il y a les différents consultants que nous avons qui ont collaboré avec la CONAREF sur ce processus, qui sont là pour entendre est-ce que ce qui a été mis dans le rapport et ce qui a été dit par ceux-là qui sont concernés, l'administration foncière, celle pour qui nous sommes en train de conduire le processus de la réforme foncière. Les exposés des consultants, des débats riches
en présence du coordonnateur de la Commission nationale des réformes foncières, CONAREF, Simplice Mutombo, les représentants de l'ONU Habitat, Mamadou Mbalo, ont ponctué cet atelier qui s'est clôturé par des résolutions qui, aux yeux de l'opinion, constituent une valeur ajoutée sur l'état d'avancement du processus de la réforme foncière et ses livrables. La femme doit s'intéresser aux questions de gouvernance. Le sujet a alimenté les échanges de la tribune d'expression populaire dans le quartier Pompage en présence de l'experte en genre Faïda Mwangiloa. Christine Lenzo pour le reportage. En RDC, les femmes sont nombreuses, mais se retrouvent en nombre infime dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi la communauté devra s'impliquer sur la nécessité de la participation de la femme dans les instances décisionnelles. À Kimbwala, dans la commune d'Engaliema, l'experte en genre Faïda Mwangiloa a, au cours de cette formation, exhorté l'assistance à encourager la femme à s'intéresser à la politique et aider au développement du pays. Nous pensons qu'il est temps de déconstruire les préjugés et de donner la chance aux femmes de participer, de s'intéresser à des questions politiques, à des questions de gouvernance. Je pense qu'il y a un grand travail à faire au niveau des organisations féminines et voire des organisations de défense et des droits de la femme, parce qu'il s'agit là d'une question pertinente. On ne peut pas continuer à penser que la politique, c'est une affaire d'hommes. Ce fut un moment qui a motivé les femmes et les hommes présents sur ces lieux qui, à travers leurs témoignages, ont opté pour le changement de comportement, aussi de voir la femme s'intéresser à la gouvernance. La femme n'a pas encore compris qu'elle est capable, qu'elle peut s'engager. C'est pourquoi nous sommes venus sensibiliser la femme. Et nous voulons sensibiliser la femme avec l'homme. Parce que nous pensons que la lutte de la femme doit être menée en compagnie de l'homme. Et c'est pourquoi nous appuyons le HeForShe, la masculinité positive, pour que l'homme aussi pousse sa femme ou contribue à ce que sa femme puisse, ou même pas sa femme, mais aux femmes qui sont à ses côtés, puissent faire la politique. Pour la deuxième formatrice, Anastasie Sika, de la société civile, la représentativité de la femme étant faible en RDC, la femme doit comprendre qu'elle doit s'engager. Autre actualité, bien que la session de ce mois de septembre est essentiellement budgétaire, les organisations de la société civile et forces vives sociales demandent aux élus du peuple de tenir compte de cette fois-ci de la question de l'entérinement des nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, car l'ancienne équipe a largement dépassé son mandat. La promotion et la protection des droits de l'homme en RDC constituent une préoccupation pour les organisations et forces sociales de la société civile engagées dans la défense des droits de l'homme. Profitant de la rentrée parlementaire de la session ordinaire de septembre qui a eu lieu ce jeudi, 15 septembre 2022, ces organisations ont lancé un message mettant en exergue ces droits à l'endroit des parlementaires. Nous sommes venus avec un message par rapport à l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous vous souviendrez avec nous que ce point est un arriéré qui avait déjà été inscrit à la session de septembre 2021, qui a été renvoyé à la session de mars 2022 et qui malheureusement n'avait pas été traité à cause des différents ou plusieurs points qui avaient été retenus, et ça a été renvoyé à cette session de septembre. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que les élus puissent traiter de ce point et pouvoir entériner les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que ceux qui sont là ont largement dépassé leur mandat. C'est un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mais là ils sont déjà en dépassement des 2 ans. Traiter en urgence ces sujets au cours de cette session essentiellement budgétaire est le souhait ardent de ces ONG des droits de l'homme qui ne jurent que sur le départ de l'ancienne équipe. Nous, membres de la société civile, nous disons non au glissement des anciens membres. La République démocratique du Congo, pays de l'état de droit et respectueux de loi, a donc l'obligation de garantir les droits de la population dans toute sa diversité. 15 septembre, rentrée parlementaire pour une session essentiellement budgétaire, les élus du peuple saluent la cérémonie d'ouverture et s'apprêtent déjà pour exposer les doléances de la population congolaise récoltée lors des vacances. Voici l'érection de quelques-uns. Mais si la population n'arrive pas à vivre à l'aise, comment nous,
le représentant du peuple, pourrions être aussi à l'aise. L'État doit quand même faire de tout son mieux pour essayer de donner des moyens conséquents à l'armée et aux services de sécurité afin de mettre fin à ces fléaux. Nous espérons qu'avec la session budgétaire qui va intervenir, l'armée et les forces de sécurité auront les moyens conséquents permettant à bouter l'ennemi hors territoire national. En ce qui concerne les sociales de population, c'est bien que cette fois-ci, que cela se matérialise. Et pour la première fois, vous suivez le Parlement qui a identifié l'axe de mal où il a incité le président Kagame, à qui il a demandé de retirer ses troupes et de faire de son mieux que le rebelle de M23 puisse se retirer de Bunagana. Et il a parlé aussi de l'insécurité communautaire, où il a appelé le gouvernement de mettre les moyens pour restaurer la paix dans tous ces points-là où il y a eu des échauffements. Et aussi, le président, je pense qu'il a, appelé et il a félicité le gouvernement des efforts qu'il est en train de faire dans la lutte contre la corruption, et, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des enseignants, des policiers, en termes de, du budget passé. J'ai construit un stade municipal à la dimension olympique à Mouéka. Après le développement de Mouéka, dirigeons Mouéka au terrain, c'est le slogan. Parce que nous devons soutenir les chefs. Je suis en train d'attaquer l'aérodrome de Mouéka, qui n'existe plus. Donc, je suis revenu ici à Kinshasa après un long séjour dans ma base. J'ai fait presque toutes mes vacances là-bas. Je suis revenu, j'ai écrit au ministre des Transports pour qu'il m'autorise à commencer les travaux de l'aérodrome de Mouéka. Donc, j'ai pris encore l'engagement devant ma base pour réhabiliter l'aérodrome de Mouéka. Une mise au point ce vendredi, elle a été faite par l'intersyndicale des finances et du budget qui monte au créneau et proteste contre les observations du secrétaire général des finances relatives à l'exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique portant désignation à titre intérimaire aux emplois de l'encommandement, d'encadrement et de coordination. C'est un vif regret que l'intersyndicale des finances et du budget a exprimé ce vendredi 16 septembre 2022 vis-à-vis des observations du secrétaire général des finances par rapport aux nominations opérées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Pour l'intersyndicale, ces observations n'ont aucune base légale et réglementaire. Elles visent tout simplement à fragiliser les actions du vice-premier ministre. Nous avons fait une mise au point sous l'arrêté 099 signé par le VPM de la fonction publique. Et le secrétaire général Bailly a fait des observations qui n'étaient pas debout. Je crois que nous venons de balayer. Sur le plan de la procédure, ce n'est pas le cas parce que nous sommes administratifs. La procédure est que ces observations devaient passer par son collègue de la fonction publique chargé des actifs qui lui a transmis le courrier. Alors, ce n'est pas le cas. Et puis, il est pressé par rapport à lui. Et nous exigeons la mise en œuvre de l'arrêté 00 et 099 de 2 septembre. Deuxièmement, son départ immédiat sans condition de poste de secrétaire général aux finances. Qu'on cherche un administratif pour le poste là-bas et nous allons évoluer. Quand l'agent a déjà accompli 3 ans dans ce grade, il a droit d'être promis. Un point barre. Son départ, rien que son départ, que nous allons conclure. L'intersyndicale des finances et du budget salue les efforts du vice-premier ministre allant dans le sens de l'assainissement et la modernisation de l'administration publique dont l'arrêté vient de réparer l'injustice subie pendant plus d'une décennie par des cadres et agents des administrations des finances et du budget. Et puis le président de l'intersyndicale Fidel Kayinga a au cours d'un point de presse demandé au gouvernement de payer leur rétrocession de 5% des primes des mois de juillet et août. Reportage Redépanda. Les régies financières sont entrées dans un élan de performance en performance. Mais seulement la motivation ne suit pas ce qui risque de provoquer un relâchement. Au cours d'un point de presse, le président de l'intersyndicale de ces régimes, Fidel Kiyangi, interpelle le gouvernement et exige l'apurement rapide de 2 mois de rétrocession, juillet et août, de leurs primes. Fidel Kiyangi déclare la rétrocession de 5% légale et retenue même dans le budget. Les régies financières qui donnent au gouvernement
les recettes pour réaliser sa politique ne sont payées que après pression. Or, les rétrocessions sont prévues dans la loi. Passé le 25 septembre, si les rétrocessions de juillet et août ne sont pas payées et que les travaux de la sous-commission ne sont pas rendus publics, nous nous verrons obligés de convoquer des assemblées générales. Cette fois-là, même s'ils venaient délibérer quoi que ce soit, les assemblées se tiendront. Et nous nous mettrons à la disposition des agents pour la suite à donner. Invitons les agents à être en alerte. Les agents et cadres des régies financières qui mobilisent des recettes ne peuvent pas toujours être payés, après menace, a souligné le président de l'intersyndicale. Autre actualité, lancement campagne de sensibilisation des filles et garçons, tous à l'école à Kindu de la province du Maniema. Cette initiative vise à encourager les jeunes de profiter de la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État. L'éducation des bases, un levier indispensable pour le développement d'une nation. Quelques semaines après la rentrée scolaire à Kindu dans la province du Maniema, le ministre provincial de l'enseignement a lancé officiellement la campagne de sensibilisation tous les enfants, filles et garçons à l'école. Tout est parti d'une caravane motorisée au rythme de la fanfare kimbanguiste qui est partie de la commune de Mikelenge, passant par toutes les grandes artères de la ville jusqu'à l'école primaire Kinduville. Un système éducatif résilient, inclusif et de qualité intégra en vue d'augmenter les taux d'inscription des enfants à l'école et accorder les mêmes chances à tous. Car la gratuité de l'enseignement primaire public est effective dans notre province éducationnelle grâce à la volonté politique ferme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dadi Mankunku, qui a représenté le gouverneur de province à cette cérémonie, a de tout même exhorter les parties prenantes à capitaliser la gratuité de l'enseignement afin d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité a été sanctionnée par la visite de quelques écoles de la ville et la remise d'une enveloppe qui devra permettre à une élève orpheline des pères et des mères de payer les frais scolaires pour l'année 2022-2023. Une conférence sur l'évaluation des activités de l'enseignement, elle a été organisée par l'inspection provinciale de l'EPST Kwango. Ces assises ont eu lieu dans la salle de réunion de la division provinciale de l'enseignement à Kenge. L'inspecteur principal provincial Kwango 1, François Mukendi Bukasa, a organisé pendant 3 jours un atelier de mise à niveau en faveur des inspecteurs de sa juridiction. Débuté mardi 13 septembre dans la salle de réunion de la division provinciale de l'enseignement, ces assises ont pris fin ce jeudi 15 septembre 2022 en présence du ministre provincial de l'éducation et directeur provincial de l'éducation dans la satisfaction de tous. Pour François Mukendi Bukasa, IPP Kwango 1, cet atelier est d'une importance capitale pour permettre à l'inspecteur de remplir à bien ses missions qui sont contrôlées, formées mais évalué. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons reçu mission de contrôler, de former, d'évaluer. On a dit que la trilogie inspectorale était en veilleuse. Nous voulons réveiller l'autorité. On a déjà donné le temps et nous avons demandé d'aller contrôler et d'enlever, d'extirper de l'enseignement tous les moutons noirs. Présent à l'activité, le ministre provincial de l'éducation a dans son discours demandé à l'IPP de toujours organiser de tels ateliers. Il a en outre remercié tous les participants pour leur assiduité dans les travaux. Ignacy Kalaba a promis de veiller personnellement sur la gratuité des frais pour les enfants des inspecteurs avant de déclarer clos cet atelier. En dehors de votre trilogie, contrôler, former et évaluer, je reconnais sur le plan social qu'il est attribué au corps des inspecteurs la gratuité de leurs frais pour leurs enfants biologiques. J'y veillerai personnellement. C'est à ces mots que je déclare clos les travaux du briefing des cadres de l'inspection dans la province éducationnelle de Kwango. Je vous remercie. Signalons par ailleurs que les participants ont promis de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises tout au long de cet atelier pour le bien de ces sous-secteurs de l'enseignement et la bonne formation pour les enfants.
L'aéroport national de Kolwezi, de plus en plus performant, de plus en plus dans la cour des plus grands. Le coordinateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provincial du Lualaba l'a confirmé lors d'un point de presse qu'il a animé. L'aéroport de Kolwezi, tout le monde le sait, que ça a commencé par l'emprunt d'une grosse somme d'argent que la province a reprise auprès d'une banque. Et cet argent a été affecté à la construction de l'aérogare, avec un taux d'intérêt qui pouvait aller de 9 à 10 millions de dollars pour que ça soit apuré en 2025. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka, à l'aube de sa prise de fonction à la tête de la province du Lualaba, a commencé par faire un travail de fond, un travail de génie en matière de finances, jusqu'à réduire le taux d'intérêt à 1 million de dollars américains. En assainissant la gestion des finances en province, en fermant tous les robinets qui occasionnaient le couloir des recettes dans la province, au moment où je vous parle, l'aérogare, les travaux ont pris de l'ascenseur. Les travaux de l'aérogare vont prendre fin dans très peu de temps. Vous avez même suivi, il n'y a pas longtemps, le président du conseil d'administration de la RVA, qui est venu ici, qui a été agréablement surpris de constater que les travaux évoluent comme il se doit. Une délégation. Ganza, Timbulu, Luisa et Dibataï sont là les trois communes choisies comme des territoires pilotes pour la cellule technique d'appui à la décentralisation, genre et transparence, les financements de ces entités territoriales. Le gouvernement de la province du Kasaï central en a parlé au cours d'une audience avec une délégation du PNUD. De reportage. De la cellule technique d'appui à la décentralisation, genre et transparence, conduite par son coordonnateur national Georges Kazadi, a été reçue pour des civilités à rendre au gouverneur de province du Kasaï central, John Kabayashi Kai, dans son cabinet de travail. Des échanges qui ont porté sur la continuation de la mise en œuvre du projet de soutien à certaines ZTD ciblées sur base des besoins exprimés par leurs populations respectives. Quatre des entités territoriales décentralisées de notre province concernées sont, selon Georges Kazadi, Nganza, Dibataï, Timbulu et Luisa. Nous sommes venus faire part à l'autorité provinciale de la mise en œuvre de ce projet dans la province du Kasaï central. Le projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence, pour booster la décentralisation au niveau des entités territoriales décentralisées, parce que pour la province du Kasaï central, il y a 4 ETD qui ont été choisis comme ETD pilotes. Notons pour clore que l'appui budgétaire provient des partenaires financiers techniques comme le PNUD et le FNU, entendez, Programme des Nations Unies pour le Développement et le Fonds d'équipement des Nations Unies. Ainsi, grâce au dit appui, toujours selon le coordonnateur national Kazadi, ces ETD devront profiter de cet appui pour s'assumer et déceler leurs potentiels fiscaux. Fin donc de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie du ministre de la Communication et Médias, Patrick Buaya, pour le compte rendu du Conseil des ministres.